Les rencontres au pied des machines, c'est des rencontres thématiques qu'on a mis en place au sein de la fédération Entrecuma depuis fin 2013. Celle-ci, elle a un cadre particulier, c'est que l'ADREAL est chargée du plan de protection de l'atmosphère. Donc c'est l'amélioration de la qualité de l'air dans la région. Ils passent au gabarit un petit peu tous les secteurs d'activité, dont l'agriculture. Ils savent qu'il y a des leviers, enfin il y a des périodes de pollution de l'air qui correspondent aux périodes d'épandage d'effluents et aux périodes d'apport d'engrais minéral. Ils nous ont contactés, on leur a dit qu'il y avait des CUMA qui étaient déjà équipés de systèmes d'injection de lisier dans le sol ou d'incorporation de l'engrais au semis. On a réalisé une petite enquête auprès de ces CUMA-là. Bon, c'est plus présenté pourquoi vous êtes parti sur ce genre d'équipement et puis comment vous avez fait votre choix par la suite et puis votre ressenti. Je suis donc Jean-François Dussin, je suis le président de la CUMA de l'Aisne. Notre CUMA a pas mal de matériel, dont le tonneau à lisier avec enfouisseur à disque. On est donc une vingtaine d'adhérents et on a à peu près tout ce qui tourne autour de l'élevage pour ce qui est du matériel. Pour parler du tonneau, on est à notre deuxième tonneau à lisier. Le premier était identique à celui-là, mis à part qu'on a pris en plus le DPA. Il y avait une demande suite aux mises aux normes qui avaient été faites d'un tonneau, donc on s'est dit c'était l'occasion de partir sur un plus gros matériel avec des options comme l'enfouisseur. Aujourd'hui, donc on a repris le même type de tonneau, sachant que ça a un surcoût non négligeable au niveau aussi bien de l'achat mais aussi de l'entretien. Donc là, l'équipement dont vous disposez sur le tonneau, il est le surcoût, enfin l'investissement Ben dans. c'était pas le double, mais bon, c'était 50 000 euros pour le tonneau et puis il fallait rajouter 25 000 euros pour l'enfouisseur. D'accord. Donc on arrive avec le DPA. Le DPA, ça coûte aussi 7 000 5-6 000 euros? euros. Hein. 7 000 euros. Ouais, ça coûte pas rien. Au niveau des disques, surtout, il y a des roulements. Donc là, ça fait c'est sa troisième campagne, je crois. Et les roulements sont à refaire en bonne partie. D'accord. Après, bon, faut pas pomper n'importe quoi, sinon ça se bouge, faut pas se le cacher. Et faut mettre ses mains dans le brin après. Hein. D'accord. Après, sinon, au niveau enfouissage, surprise, ça marche très très bien. On limite aussi au niveau visuel, les gens quand ils nous voient passer tout de suite, c'est moins impressionnant. Au niveau odeur, c'est beaucoup moindre, ça sent presque pas. Hein. Et puis au niveau, nous, comme on est quand même dans une région où il y a beaucoup de maisons, on peut approcher au niveau des plans d'épandage, on peut gagner un peu de surface. C'est pour ça aussi qu'on avait pris ça. Non, au lieu de 100 mètres, c'est 15 mètres. C'est 15 mètres alors. Il y a quand même. Non, c'est non négligeable sur un certain nombre de plans d'épandage ouais. aujourd'hui. Et au niveau débit de chantier, est-ce que l'enfouisseur va ralentir le débit de chantier? Non, il l'accélère. Bah, si on met, parce qu'une fois, moi j'avais l'enfouisseur, il n'allait plus. Sur l'autre tonneau, j'avais mis la buse. La buse comme ça, mais il faut faire au moins 3 tours en plus pour pouvoir vider le tonneau. Ah oui, si ah oui, la largeur de travail est moins importante. Même au niveau le débit de chantier. Ouais. Ah ouais, ah oui, c'est en mettre si beaucoup moins. Faire augmenter ou ralentir. Tandis que là, c'est la grosse sortie directement qui arrive sur le. Ouais, c'est incorporé, du coup, c'est beaucoup moins. Moi, si je veux mettre. Je voudrais mettre 50 mètres cubes comme il y en a. Jean-Michel, des fois, il met 50, 60 mètres cubes. Hein. Bah, moi, je ne saurais pas le faire. 35 mètres cubes, c'est bien. Mais sinon, il faudrait rouler en première lente. Ouais, puis ça s'incorpore fort en plus, ça fait une plaque. Et t'estimes à combien 20-30% de débit chantier en plus ou. Facile. Facile. On a changé, on a pris, alors pour débit de chantier et puis le nombre d'adhérents qui a augmenté au niveau des lisiers avec les mises aux normes, on a pris une 14 000 et en ce temps-là, il y avait, je pense, au niveau de la FRQMA des aides sur les enfouisseurs. Donc on a profité de ça pour acheter l'enfouisseur, sachant qu'il y avait aussi la demande d'agriculteurs, comme nous aussi au niveau des plans d'épandage, on est limité, on a pas mal de maisons, de pouvoir venir au plus proche des maisons, quoi. Donc l'achat, il a été fait au niveau d'un enfouisseur à patins, d'une largeur de 5,30 m. Quand on est resté sur les patins, c'est parce qu'il y a 3 ou 4 ans, on a vu la tonne à lisier que vous avez à l'ESL, on a dit non, il ne faut pas de ça avec les roulements, les disques, ça demanderait encore trop d'entretien, quoi. Donc on a dit non, on va rester sur la nôtre, sachant qu'on peut aussi enfouir sur prairie,
Et donc on s'est dit, ouais, comme il y a moins d'entretien, on reste sur le patin, quoi. Voilà. Ça griffe quand même, hein, ça griffe le sol. Hein. Et il faut que le terrain soit déchaumé. Non, surtout pas. Non, nous, si c'est déchaumé, tu passes plus. C'est l'inconvénient. Il y avait forcément des gens intéressés, des gens moins intéressés. Le coût d'enfouisseur était important, même si subventionné, il était quand même important. Après, la question, elle se pose. Hein, pour les gens qui en ont besoin, pas besoin, pour les facturations, comment on fait? Après, on a dit, voilà, quoi, on achète l'enfouisseur avec la tonne, on divise, voilà, celui qui s'en sert ou celui qui s'en sert pas, c'est pareil. Quoi. Moi, au début, je n'étais pas forcément intéressé, mais vu le début de chantier, qui est beaucoup plus important avec l'enfouisseur, je préfère utiliser l'enfouisseur. Et puis même au niveau des odeurs, hein, moi j'enfouis tout ça sur une parcelle derrière chez moi. Enfin, j'ai plusieurs parcelles derrière chez moi et il y a quasiment plus d'odeur qu'on fait à l'enfouisseur. Quoi. Là on est sur notre troisième tonalisé, donc là on est passé d'une 14 000 à une 16 000 et on a gardé l'enfouisseur. Ça représente un tiers d'investissement. Ouais. La prochaine fois si on change, le coût à la tonne reviendra plus, enfin, il sera plus élevé. Quoi, hein. Donc ça serait peut-être bien qu'il y ait des plans de subvention qui soient remis en place. L'avantage au moins de ces deux matériels, c'est qu'ils sont polyvalents. Ils vont aussi bien, ouais. On va pouvoir aller sur culture que sur prairie. Ouais. Et c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche quand même, quoi, ouais. D'avoir du surtout matériel. En groupe. Ouais. Maintenant, pour aller un petit peu plus dans le détail, pour les enfouisseurs à disque, donc on a un coût qui est un petit peu plus élevé que sur les enfouisseurs à dents, même si bon, il faut pondérer ça, il y a toujours. Il y a les frais d'entretien qui peuvent rentrer en ligne sur la ligne et puis on a un échantillon qui est quand même moins grand. Mais le prix moyen sur les pumas qui sont équipés, c'est 1,10€, donc du mètre cube. Vous le multipliez par le nombre de mètres cubes de votre tonne pour savoir où vous vous situez. Les enfouisseurs à dents, on est à 73 centimes du mètre cube. Et les rampes ou pendillards, on est à peu près au même prix sur l'échantillon qu'on a pris, bien que ce soit du matériel qui est un petit peu moins frayeux, enfin moins coûteux, pardon. Et pour les références qu'on a sur la région, plutôt que de donner un chiffre moyen, je vous ai donné une fourchette, on a à peu près 80% des pumas qui sont dans cette fourchette-là. Ça varie fort en fonction du volume d'activité, mais on est entre 50 centimes et 80 centimes du mètre cube. Voilà, on n'est pas forcément à 40 centimes. Il y a très peu de pumas qui sont aussi bas, hors système d'enfouissage. Ça, c'est ce qui ressort un petit peu de l'enquête auprès des utilisateurs des tonneaux. Je leur ai posé la question, comme je vous l'ai posé, pourquoi ils y sont allés et comment ils s'y sont pris. Donc l'argument qui ressort le plus souvent, c'est l'aspect réglementaire, parce qu'il y a la plupart des pumas qui sont équipés d'injecteurs, ils sont... Alors on a dans les zones comme ici, où il y a un habitat fort éclaté, et puis on a dans les Flandres, où on a énormément d'élevage porcin, où on a un lisier qui est très riche. Donc il y avait un aspect réglementaire, ils avaient besoin de plus de surface épandable, donc ils voulaient plus de souplesse dans leur plan d'épandage. Ensuite, il y a une prise en compte agronomique, ils voulaient mieux valoriser leur lisier, et puis il y a un aspect social, surtout pour les porchers. S'ils veulent avoir de bonnes relations avec leurs voisins, déjà que la porcherie, on leur dit que ça sent mauvais, si en plus, quand ils vont épandre le lisier, ça chlingue pendant 2 jours, ça va pas aller, quoi. Donc il y en a beaucoup qui m'ont dit, hein. Si on n'était pas passé à l'injection en port, on n'aurait pas pu agrandir nos bâtiments ou dès qu'on fait une étude de faisabilité, ça passe pas, quoi. Alors les moins, j'ai mis un point d'interrogation parce que justement, on a eu la réponse juste avant. Il y a des gens qui étaient très peu utilisateurs qui ont répondu à l'enquête, qui disaient, ben non, le débit de chantier a pas dit... Enfin, qui disaient, ben on se demande si on diminue pas le débit de chantier, mais ils n'ont pas forcément... Ils n'ont pas forcément de référence et la plupart m'ont dit que soit c'était le même, soit il était augmenté, comme vous l'avez dit. Il y a la nécessité d'avoir un misier qui est bien, enfin qui est propre ou bien mixé. Et puis ben, il faut adapter la puissance de traction à l'avant. Bon, alors au départ, ça a été des rampes. Il y a eu beaucoup de rampes parce qu'à l'époque, bah, la rampe, on trouvait que c'était quand même très intéressant. Techniquement, on était peut-être moins au point par rapport aux aspects de gestion des lisiers. Et c'est vrai que les premiers injecteurs, on avait beaucoup de problèmes de bouchage et autres. Donc les gens s'arrêtaient à la rampe. Mais parce que réglementairement, bah, déjà gagner 50 mètres au lieu de 100 mètres, bah, c'était déjà un premier point. Et puis, ils savaient qu'ils répartissaient mieux leur lisier, ils le valorisaient mieux quoi, par rapport à une simple...
une tonne avec une simple buse. Donc, même les financeurs, ils étaient conscients que améliorer l'épandage, c'est pas la tonne, c'est bien ce qu'on va mettre derrière la tonne à lisier. Et il n'y a que là-dessus qu'ils finançaient, quoi. Et a priori, aujourd'hui, il y a de la mise aux normes qui doit peut-être encore être faite par rapport aux aspects réglementaires zones vulnérables, mais il n'y a pas de subvention dessus. Par contre, on peut espérer avoir dans les programmes d'action des aides sur les enfouisseurs, sur les injecteurs ou autre. Et ça, les administrations sont conscientes quand même. On s'attend à ce que demain, la redevance élevage, il y en a qui l'ont connue, la redevance pollution au niveau de l'agence de l'eau. Là, au niveau des gaz à effet de serre, il y aura la même chose. C'est-à-dire qu'on va calculer la charge au niveau de l'élevage. Les pratiques, elles mettront des abattements. Et puis, à un certain niveau, ceux qui émettent trop, ils seront obligés, ils seront taxés sur ces émissions. Notre azote ammoniacal, il est là, il sert à ça aussi, il y participe activement. Et c'est vrai que de dire qu'on fait quelque chose, l'Adréal, si aujourd'hui elle s'y intéresse, c'est aussi par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est important que on n'attende pas d'avoir le bâton pour aller de l'avant et de montrer que, vous voyez, on fait des efforts et on fait. On essaye aussi. À chacun à la mesure de ses moyens de réduire l'impact de l'activité agricole sur ces gaz à effet de serre. Bon, dans l'article, on peut pas mettre les odeurs, mais on n'avait pas de toute façon. Il n'y a pas d'odeur, presque pas en tout cas. Presque pas, ouais.